Vous pouvez me dire où est le patron ici? Il n'y a pas de patron là. Ah bon? Non, c'est moi, je suis le responsable. Chercher du travail ou bien quelque chose? C'est-à-dire qu'on m'a dit qu'il y avait possibilité de rester quelque temps ici. C'est vrai? Oui, il y a moyen, mais peut-être pas pour très longtemps parce que on n'a pas beaucoup de place. Voilà Tony. Ouais. Alain, Tony est notre cuisinier. Il va te montrer la chambre. Ouais, d'accord. Tu vas le mettre où? Tu le mets... En haut dessus, en haut la dernière. Bon, très bien. Bonjour. Voilà. Tu lui montres les douches aussi, enfin tout ouais, ça. Ouais, quoi. D'accord. Ouais. D'accord. Ouais. Je te le confie. Hein. Ouais. Tu on me rejoins dans la cour en bas, ouais. Quand t'as fini. D'accord. Tu t'installes convenablement, il te montrera tout ça. Moral, va bien, ouais. Bon, alors. Comme ça, je vais te montrer la chambre tout de suite. Parce que moi, j'ai un peu de travail, là. Hein. D'accord? Tu es avec moi, là. Voilà, Alain, ça, c'est ta chambre. Hein. Ah bon? Tu as ton lit. C'est pour moi tout seul, ici? Oui. Tu as ta table nuit, l'armoire. Ta table nuit, tu as ton réveil, tu le montes, tu te débrouilles. Je te donne des draps, taille d'oreiller. Le matin, à 7h de déjeuner. 9h30, la pause. Midi, dîner, 3h30 la pause, 6h25 tout ça. Ah ouais,
Justement, je vous cherche. Oui, moi aussi. J'ai quelques renseignements à te demander. D'abord, ton nom? Peria. P-E-R-I-2-L-A-T. Prénom? Alain. On se tutoie, hein? Dans la maison. On se dit tu. Il me faudrait encore ta date de naissance. 11 novembre. 56. 56, le prénom du père. Eric. L'origine. Genève. Ta religion. Je sais pas, mais t'es protestant. Putain, vous êtes flic ou quoi? C'est un interrogatoire. Si t'arrive un pépin, si tu t'es un accident, j'appelle qui? Le curé, le pasteur, le rabbin? Pour moi, c'est juste la question de ça, tu vois. Alors, protestant, tu m'as dit. État civil. Marié, veuf, célibataire, divorcé. 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 Est-ce que t'as un numéro d'AVS? Non. Enfin, je sais pas, j'ai oublié. Eh ben voilà. C'est tout ce qu'il me faut, tu vois. Ça va pas plus loin. C'est pas si grave. Alors, maintenant que j'ai ces renseignements, il y a quelques règles qu'il faut que je te donne. La principale, c'est pas d'alcool dans la maison. Sous quelque forme que ce soit. Bière ou vin. Si tu es pris avec une bouteille d'alcool dans la maison, dans ta chambre ou n'importe où, c'est la mise à la porte tout de suite. Immédiate. La nuit, le jour, qui vente, qui pleuve. L'été, l'hiver. Immédiate. La deuxième, c'est une règle sur le travail. Donc, vous participez à la vie communautaire par le travail. Qu'est-ce que tu sais faire? J'étais magasinier, puis... moi, je connais un peu la radio TV, réparation, tout ça. Bon. Je sais pas, peut-être on trouvera peut-être par la suite une place dans les radios et comme ça, mais pour le moment, pour débuter, il faudra faire là où il manque quelqu'un, tu vois. Ici, il manque quelqu'un pour balayer, il faut balayer, il manque un cuisinier, il faut faire la cuisine, on s'arrange comme ça. Mais à part ça, je peux faire ce que je veux. Enfin, il n'y a pas de contrat. Comment ça? Qu'est-ce que tu entends par un contrat? Je peux partir quand je veux ou... Ah oui, tu peux partir demain si tu veux. Tu peux rester une année, tu peux partir demain. L'essentiel, c'est que tu avertisses un petit peu à l'avance. La personne qui arrive à la communauté, aussi par rapport à son identité, par rapport à son anonymat, cette personne-là est considérée comme un état nouveau, un état neuf. Son passé, qui aurait pu se faire... dans une communauté ou dans cette communauté, ou en prison, ou l'hôpital psychiatrique, ou je ne sais trop où, ça ne compte pas. Nous rencontrons Jean, nous rencontrons Paul, c'est celui-là, maintenant, c'est tout. Ça permet comme ça à chacun peut-être de se refaire, s'il le désire. Excuse-moi. T'as fait bon voyage, là? Oui. Ouais. T'es venu en... comment, en train? Non. En voiture. En autostop? Oui. J'ai marché aussi. Tu me passes le café, s'il te plaît, ce soir? Merci. Attends, Alain. Ici, on met uniquement la tôle. Ça, c'est du carter, ça va ailleurs. Alors, ça va un peu plus loin là-bas. Ça, c'est la tôle, c'est ce qu'on va récupérer plus tard. Oh, il y a un camion qui vient chercher toi. C'est qui, toi? Moi, je suis Vincent, le fils à Yannick, un des responsables. Viens, je vais te montrer. En ce qui concerne les responsables, ce sont des gens qui ont une certaine qualité humaine, qualité d'autorité naturelle, qui ont un sens de la relation, qui ont un sens du respect de l'autre, mais qui ne sont pas forcément des éducateurs spécialisés ou ayant une formation de pédagogue. Responsables et adjoints, ce sont des gens engagés, ceux qui ont un salaire, qui n'habitent pas forcément dans la communauté, et pour lesquels il y a un certain nombre d'exigences. Les communautaires, eux, ont une forme de salaire qu'on appelle pécule,
Dans ce pécule, une partie est donnée chaque semaine, une autre partie est mise de côté sur un compte qui leur appartient et qui leur est remis au moment de leur départ. Ah Alain, je te cherchais. C'est pas ta place de travail là, faut descendre sur la cour. Ouais, ouais. Là où je t'avais montré. Ouais, j'y retourne. Ouais. Alain. Alain. Alain, attends. J'ai téléphoné à la communauté des Tanières. Il y a, c'est en ordre, il y a une place, hein. Ah bon? Tu peux y aller ce soir ou demain, comme tu veux. Bon, bah, d'accord, bah, j'irai demain, ouais. Ok. Ouais, faut dire, ouais, de toute façon, il n'y avait rien coupé sur le machin. Moi, j'ai essayé dès le dernier. Les communautés offrent une possibilité à quiconque de venir manger, se laver, s'habiller et retrouver une certaine image de soi. Voilà ce qu'elle offre. Maintenant, est-ce qu'il trouve... Bon, manger, il trouve à manger, il trouve à s'habiller, etc. Mais maintenant, est-ce qu'il retrouve une image d'eux-mêmes positive qui leur permettra d'avancer? Ça, je sais pas, c'est pas sûr. C'est pas sûr, mais c'est... Pour moi, c'est une espérance, quoi. On est chez Emmaüs parce qu'on veut justement éviter d'être dans la rue. On veut éviter justement que la société ait besoin de payer quelque chose pour nous. On veut leur prouver qu'on est capable de vivre et de gagner notre vie autrement que d'aller se plaindre auprès d'une association. On veut encore prouver à la société qu'on est capable de faire quelque chose avec nos 10 doigts. Et c'est ça qui nous intéresse surtout. Et on n'a pas un gros salaire, mais on n'est pas obligé d'avoir un gros salaire pour être heureux, hein. Bonjour. Salut. Je cherche le responsable. C'est où je peux le trouver? Ah oui, viens avec moi, j'ai le bureau. Tu veux me suivre? Le bureau, il est juste en haut. Ok. Jean-Pierre! Vas-y, monte. Nous, on a nos 360 francs par mois, ici. Ils nous disent, bon, vous avez un pécule de 60 francs par semaine, plus 30 francs qu'on vous bloque. En plus de ça, on vous paye la caisse maladie, on vous paye l'accident si vous avez un accident, votre AVS est payé, donc si vous voulez, ça fait tout partie de notre salaire, tout ça. Nous, en contrepartie, on doit leur prouver qu'ils peuvent avoir confiance en nous et puis qu'on fasse le travail qu'ils nous demandent. Je me dis, ici j'ai ma nourriture, j'ai mon logement, j'ai mon travail, j'ai un toit assuré. Bon, pour moi, en étant tout seul, je n'ai pas besoin d'avoir une paye de 2-3 000 francs. Je suis tout seul, j'ai personne à entretenir, mis à part moi-même. Donc je me dis, pourquoi pas rester chez Emmaüs? Je n'ai pas d'impôts à payer, j'ai rien à payer, j'ai pas de soucis à me faire, pour être franc. Et puis, je crois que maintenant, j'aurai beaucoup de problèmes si tout d'un coup, je devrais commencer à me gérer moi-même, faire mes paiements d'assurance et m'inquiéter pour ceci et cela. J'arriverai certainement plus comme je le faisais avant, quoi. Alors, je me dis tout en tant qu'à faire, maintenant à 42 ans, j'achèterai bien où je suis. J'ai rien besoin de plus. Mmh.
de tout. Il a bien fait comme ça. Tous les jours, il y avait deux C'est celui-là qui disait qu'il y avait des mots. Elle n'a pas vu que les gens. Non, 16 à 15, je ferme. Non, mais juste une minute, qu'est-ce que ça peut foutre? Jette un coup d'œil. Non, je t'en la combine. Après, tu t'incrustes tranquille, puis moi, je suis bon pour rester. Ah, mais de toute façon, t'as pas besoin de me causer, tu fais comme si j'étais pas là, c'est tout. Oh, dis donc, calmos, tranquille. 5 minutes, pas plus, hein. Sympa, ça. C'est pas mal, ouais, en effet. Ça va là? Ça va là, tout à fait. C'est toi qui l'as fait? Non, c'est un type qui voulait... travaille à son compte, il a appris un petit peu ici et se débrouille bien. Oh, il est parti? Il est parti, ah ouais, ouais. Pourquoi il est parti? Alors ça, j'en sais rien. Faut demander au responsable. Tu prends bien là? Ouais, je sais pas trop, hein. Ça fait longtemps que j'ai plus touché le bois, mais j'aimais bien avant. Je faisais des jouets. J'aimerais bien faire un petit téléphone. Bon. Salut Dominique. Ça venait de chez Samir, non, cette nuit, le boucan qu'il y avait? Non? Je sais pas, moi, t'as reçu une gonzesse ou je sais pas, moi. Mais je sais pas. Il y a alors plus ménage dans ta chambre. Moi, je crois, je me dégante, c'était bon, puis j'ai du bruit. T'arrives pas à dormir. Bon, Alain, qu'est-ce qui se passe? T'as pas à mettre les gens dehors comme ça? Non, il se passe que je l'ai foutu dehors parce que. Tu sais ce qu'elle m'a dit, cette conne? Elle m'a dit qu'on était des profiteurs, des parasites. Oui, mais alors que... Elle m'a dit même que c'était trop cher les prix, qu'on se mettait du fric dans notre poche sur le dos des pauvres. On fait tout le contraire, merde! Mais oui, mais je suis d'accord, mais enfin, c'est pas ton boulot de les mettre dehors si t'as un problème. Tu nous appelles, tu n'as pas à les mettre dehors. Moi, j'aime pas qu'on me prenne pour un con, elle m'a pris pour un con! Oui, d'accord, elle a raconté des conneries, mais ce n'est pas à toi à les mettre dehors. Non, je fais ce que je veux, merde! Non, mais oh! Oh, c'est. Merde! Non, moi, je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas si je vais rester là. Tu me fais rire là, hein. Ça fait combien de temps que t'es là? Ça fait 5 mois, t'es là déjà? Ouais, presque. Ouais. Ben écoute, ça fait presque une année et demie que je suis là. Puis... Ouais. Ben il faut résister, quoi. Là. Si t'as envie de faire quelque chose, vraiment, il faut résister. Je sais pas, toi, t'as envie de faire quelque chose? Ben ouais, moi. Ouais, j'ai plein de projets, mais pour l'instant, je peux rien faire, quoi. Là. À cause du boulot, là. Je bosse presque toute la semaine, mais. J'ai que lundi l'après-midi, quoi, mais. Plutôt, je profite pour s'éclater, voir des copains, boire un verre, quoi. Mais j'espère bien trouver quelque chose, quoi, pour gagner un petit peu de fric. Tu vois ce que je veux dire? Pour que je puisse continuer mes études, mais vraiment, à ce moment-là, c'est très dur, quoi. Je trouve pas de solution, quoi. Je sais pas, Guy. Je crois qu'il y a
un projet, quoi. Tu m'as parlé l'autre fois, non? Si, si, j'ai trouvé, j'ai rendez-vous mardi. Rendez-vous mardi. Elle veut me voir. Oui, j'ai trouvé du boulot. Ah bon? T'as trouvé du boulot? Oui, j'ai trouvé 15 jours, pas grand-chose. Puis après, j'espère rencontrer d'autres gens pour trouver un autre boulot. Moi, je suis venu en Suisse pour essayer de travailler. Puis Emmaüs, ça sert un peu pour dormir, loger, nourrir, permettre de rencontrer d'autres gens. Et puis toi, Alfred, t'es content, t'as plus ce genre de soucis? Ah ben moi, j'ai pas le même problème que l'autre, parce que j'attends la retraite. Mais pendant la retraite, je me trouve un logement dans les environs. Je vais travailler le matin chez Emmaüs. Tant qu'une zone sera responsable, après, je sais pas si le nouveau responsable sera d'accord, mais tant que je peux travailler, je continue. Je crois que financier, on est indépendant. Donc nous, on a notre pécule, c'est uniquement sur le travail qu'on fournit. Comme on peut dire que les camions, ils sont à nous, on peut dire que la maison est à nous. Et c'est par notre travail qu'on a tout. On ne sort pas de subventions de la Confédération ou des cantons, des communes. On est entièrement indépendant. Donc, tout le travail qu'on fait, c'est notre argent, disons. Parce que tout l'argent qu'Emmaüs possède, c'est le nôtre. Donc c'est nous qu'on gagne. Il y a des clients qui nous disent des fois, ouais, mais les meubles qu'on vous donne, vous les revendez, donc vous gagnez à 100%. J'ai dit, oui, on gagne à 100%. Mais vous ne comptez pas le transport, vous ne comptez pas les frais des camions, vous ne comptez pas les frais de l'entretien de la maison, il y a des travaux à faire et tout ça. Mais tout ça, c'est nous qu'on paye. On peut dire que c'est les compagnons et les responsables qu'on paye cet argent-là, c'est nôtre. La communauté est à nous, en quelque sorte. Mais si je devais quitter Emmaüs pour une raison ou pour une autre, eh bien, je suis dans la rue. Oui, parce qu'à 60 ans, je ne retrouve un travail extérieur. Mais je préfère rester ici. C'est vraiment, je me fais virer, comme on dit d'ici, ben, je ne sais pas trop virer. Mais pour le moment, non, ça va bien. Je suis content. C'est bizarre. Avant, quand je bossais, ça m'emmerdait de me lever le matin et maintenant, après toutes ces galères, je suis content de bosser. Monsieur le... directeur. Ouais. Mais en fait, tu veux rentrer quand au football club là? Ben écoute, le plus vite possible quoi là. Alors je leur dis quoi? Que bon, j'aimerais participer. Dans l'équipe de foot de d'Étanière. Ouais. Et tu sais faire du foot hein? Ben ouais. Alors si je m'inscris, c'est pour ça quoi. J'aimerais bien avoir au moins une petite chance. Voilà. T'as besoin d'un coup de main? Non, je te remercie. Attends, tu m'avais demandé une chemise. Ouais. Ça te plaît? Super. Ouais. Il faut l'essayer. Bon, tu l'apprends. Merci, hein. Essayez. Ciao. Robert, t'as prévu quelque chose pour ceux qui mangent pas de porc? Oui, la salade de fromage pour ce soir. Eh ben, c'est parfait. Mais combien, Jackie, aujourd'hui? Pour le moment, on est 24. Et on verra tout à l'heure s'il faut rajouter des terrines, oui ou non. On met encore cette table, et puis on verra après. Dans la communauté à Emmaüs, chacun se débrouille pour vivre sa religion pour lui-même. C'est vrai qu'il y a des catholiques, des protestants, il y a des arabes, ils sont musulmans, ils ne mangent pas de viande, pas de porc. Dans la maison, ça ne pose aucun problème. Quand je suis en cuisine, je leur fais à manger différemment, je m'arrange pour qu'ils aient du poisson, qu'ils aient des fruits. C'est vrai que la vie en communauté, c'est tout un art de vivre. Il faut aimer et puis... C'est vrai quand même qu'il y a quelques règles qui soient respectées pour que la maison marche, que ça vit, que ce ne soit pas un foutoir, quoi.
moi personnellement, je préfère que il n'y ait pas de femme dans la maison. Parce que c'est vrai que ça pourrait poser des problèmes au niveau sentimentaux. Tout d'un coup, il y a un couple qui se forme et puis ça pourrait former des bagarres. C'est pas toujours très bon de vivre ça, quoi. Je préfère que ce soit plus tranquille, quoi. En général, les compagnons qui sont là, ils ont déjà vécu avec des femmes, qu'ils ont déjà été mariés, qu'ils ont déjà... Certains, ils ont des enfants. Ils ont déjà cette expérience, alors ils n'ont pas... Je ne crois pas qu'ils aient envie de recommencer un foyer, quoi. Ils préfèrent, vivre une vie plus différente. D'abord, c'est à la suite que j'ai lu le premier livre de l'abbé Pierre, L'injure de Dieu, qui m'a inspiré d'avoir tous ces livres de l'abbé Pierre. J'en ai 24 ans, tout et pour tout. Il a écrit tout ça? Par différents auteurs, comme Albert Jacquard et compagnie. Et ça, c'est quoi ça? C'est L'injure de Dieu, que c'est celui que j'ai reçu comme cadeau le 10e anniversaire de l'abbé Pierre, dans de la c'est communauté d'Emmaüs de Sion, qui est dédicacée par l'abbé Pierre. Et je suis ici en photo. Tu l'as rencontré? Oui, avec lui. Ouais. Et c'est à la suite de ça que j'ai continué à acheter des livres sur lui. Et je ne les ai pas tous. Il y a encore d'autres, des anciens livres que je n'ai pas encore trouvés. C'était une cassette aussi. Et une cassette, et voilà, la cassette sur l'abbé Pierre, comment il a démarré avec les communautés. C'est quoi ça? On peut regarder? Oui. Je peux te la... Tu la prêtes? Je te la prête, oui. D'autres sans logis sont pressés en venant me dire leur détresse. Et je n'en pouvais plus, il y avait trop à faire. Et voilà qu'un beau jour, on m'appelle au secours. On me dit, venez vite, un homme, pas loin, vient de se suicider. Il n'est pas mort. J'ai été vers cet homme, j'ai trouvé l'homme le plus désespéré, qui n'avait qu'une idée, recommencer son suicide et le réussir. C'était un forçat, un assassin. 20 ans avant, il avait tué son père. Pas pour de l'argent, mais dans un moment de désespoir. Et... après 20 ans de bagne, il avait été gracié, mais au retour, il n'avait plus de santé, plus de famille, plus d'amis. Il a voulu mourir. Et c'est la fondation de ce qui va devenir le mouvement mondial d'Emmaüs. Parce que, sans calcul, j'avais pas le temps, mais parce que c'était la réalité, j'ai fait là le contraire de la bienfaisance. Au lieu de dire à cet homme désespéré, tu es tellement malheureux, et moi je vais être bon, te donner. Je lui ai dit, tu es tellement malheureux, et moi je peux rien te donner. Ma famille est riche, mais j'ai plus rien. J'ai tout distribué. Je suis député, donc je reçois de l'argent. Mais il est tout dépensé avant d'arriver. Je n'ai que des dettes pour construire au secours des familles qui supplient. Alors moi, je lui dis, parce que c'était la réalité, tu es tellement malheureux et je ne peux rien te donner. Mais je lui dis, et comprenez bien, car c'est ça qui est le fondement de tout ce mouvement. Je lui dis, mais toi, puisque tu veux mourir, tu n'as rien qui t'embarrasse. Est-ce qu'avant de recommencer à te tuer, toi, tu ne voudrais pas me donner? Et la première communauté d'Emmaüs, elle a commencé par la décision de vivre ensemble au service des plus malheureux, d'un privilégié, moi, curé, député, et puis d'un assassin, qui était un suicidé maladroit, mais qui retrouvait là... Quand il est venu, il m'a dit une parole qu'il devait répéter 15 ans après au moment de mourir.
Cette parole, elle définit tout de ce mouvement. Il m'a dit, père, n'importe quoi que vous m'auriez donné, j'aurais recommencé à me suicider. Parce que, dit-il, ce qui me manquait, c'était pas de quoi vivre, c'était des raisons de vivre. Et il avait trouvé la raison de vivre, aimer, se donner de la peine pour que les autres aient moins de peine. Et il ne pouvait pas tout seul. Dans la gare. Vous vivez chez Emmaüs, n'est-ce pas? Je vous ai vu une fois au magasin. Ouais, pourquoi? Oh, c'est pas comme ça. Je me suis demandé si c'était pas une secte catholique. Ah non, 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 il y a des musulmans, des protestants, des juifs, des blancs, des noirs, des végétariens. Mais il n'y a pas de femmes, n'est-ce pas? Non, pas que c'est trop compliqué. Mais il y en a en France. Il paraît qu'il y a plein de repris de justice, c'est pas trop difficile à vivre. Ah, vous trouvez que j'ai une gueule d'assassin? Pardon. Bonjour. Bonjour. Cherche le responsable. Oui, c'est moi. Ah bon? Ben, je m'appelle Alain. Ah, Alain. Ouais, ah, bah dis donc, t'as fait vite. Ouais. Hein? T'es venu comment? Bah, je suis venu en stop, puis ah bon? Un petit bout en train. Ah bon, alors, bah écoute... Salut. Salut. Ouais. Bah, je suis venu pour la caméra, donc. Ouais? Ouais. Ouais, c'est clair. Ben, tu, veux la, tu veux la voir maintenant? Bah ouais. Ok. Tu me suis, alors? Ouais. Hein? Viens. Ah ouais, mais ça, c'est... Ça, c'est une Super 8, ça. Ouais, ça, c'est une Super 8. C'est pas ce que je voulais. Ah ouais, non, alors là, elle est ici, tu vois, là. Elle est là. Regarde-moi cette belle caméra. Ah, super. Hein? Puis ça marche comment? Oh, c'est pratiquement tout automatique. Hein. T'as juste à appuyer, régler ici. C'est très facile. Ouais. Hein? Puis je peux la faire marcher tout de suite? Tu peux. Il y a une cassette. Je te laisse regarder super. Tranquillement. Hein? Ouais, d'accord. Et puis qu'est-ce que tu fais, ton programme? Tu veux rester ici ce soir? Tu veux dormir là? Je sais pas encore. Tu fais comme tu veux. Bon, hein? Je te dis à tout à l'heure. Ben ouais, tu regardes. Bon, tu diras le prix aussi. Le prix aussi, t'inquiète pas, tu regardes tranquillement. Bon, ben merci, si elle te plaît, hein.
Ça va? Ouais, super. Ouais, ouais. Ouais, ça a l'air d'aller, ouais. Mais pourquoi tu fais toutes ces images? Ah ben... je sais pas, j'ai envie de... d'envoyer des images à quelqu'un que j'aime bien. Ah bon? Ouais. Ah, c'est pour lui raconter un peu. C'est une passion ou bien c'est un... Bah non, je commence. Tu commences? Ouais. Ouais. Et ça va? Ouais, ouais, non, c'est ça bien, fonctionne bien. Ouais. Ouais, ouais. Formidable. Ouais. Bon. Et tu me diras combien ça fait, hein? Ouais, oh ben... Ah, je te la fais 25. Ouais. Ah, ça peut aller? 25? Ouais. Pas trop cher? Ouais, non, ça va. Ah, ok. Bon. Bon, merci. Bah, je te laisse continuer. Ouais. Hein. Vas-y, je te filme, vas-y. Non, pas du tout. Non, c'est Je ne sais rien de toi. T'es qui? T'es pas un directeur de banque? T'es pas un professeur? T'es un menuisier ou un mécanicien? Ou bien t'es un chanteur de rock? Non. Non, je suis chiffonnier. Emmaüs. Chiffonnier? C'est quoi? C'est pas ce que c'est, un chiffonnier. Mmh. Ben, je récupère des choses chez les gens, puis je les revends. Ah, tu fais du business alors? Ouais. Ouais, c'est ça, ouais, si tu veux. Hé, maman, tu fais le déjeuner, j'ai faim. Voilà, ma fille Alexandre. Alain, mon nouvel ami. Salut. Salut. Elle voulait un enfant, moi je n'en voulais pas, mais il lui fut pourtant facile.
ce sera. Mais il lui fut pourtant facile, avec ses arguments, de te faire un papa. Cécile, ma fille, elle voulait un enfant, moi je n'en voulais pas. Ce sera un garçon, et ce fut toi, Cécile, ma fille. Et tout le monde dans ce baraque. Et Dominique, Jackie, tu es aux filles. Alfred. J'ai passé une soirée, mais tu m'emmènes où? Non, c'est ma chambre. Attends. Chez toi, tu sais, Alfred, cette nuit, j'ai rencontré une fille super, une fille belle, mais belle comme, je sais pas. C'est elle qui t'a rendu dans cet état? Non, non, c'est... T'as des gosses, toi? Oui, j'ai une fille. T'as une fille? Je l'ai pas vue depuis longtemps. Et pourquoi tu cherches pas à la voir? Parce qu'elle vit avec sa mère, je veux pas revoir sa mère. Mais pourquoi tu veux pas la voir? T'es fâché avec sa mère? Oui. Tu cherches... Quel âge est-elle? 35 ans. Puis tu veux pas la voir? Non. Pourquoi tu veux pas reprendre contact avec elle? Je sais pas, moi. Parce que je veux pas voir sa mère. Mais rien que pour ça. Ouais. Alain? 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 Ah oui, toi? Allons? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, tu sais très bien, t'es rentré complètement bourré hier soir. J'ai encore de l'alcool ici, alors c'est exclu, faut faire tes bagages et te préparer. Cool John, sous pas vache, c'est la première fois. Première fois ou pas, tu vois, c'est exclu. Qu'est-ce que je fais alors? Eh bien, t'as la possibilité d'aller dans une autre communauté si t'as envie, mais disons ici, pour l'instant, c'est exclu. Je t'attends en bas. Tu te prépares, à tout à l'heure. Salut. Tu peux me dire où est le responsable? Au premier étage. D'accord. Prends la porte là au fond et tu montes les escaliers et tu tournes à droite. Ici. Entrez. Salut. Salut. Je suis Alain, j'ai appelé tout à l'heure pour te dire que j'arrivais. Ouais, c'est en ordre. Viens seulement. T'as fait mon voyage? Ah ouais. Viens seulement t'asseoir. Je crois que tu connais la communauté. Alors il me faudrait juste ton nom, ton prénom et puis ta date de naissance, s'il te plaît. Alain Périard, mais... je voulais te dire... je sais pas si t'es au courant, mais... à Étanière, j'ai un peu déconné. Ouais, écoute, tu sais... Pour moi, ce qui s'est passé avant, ça ne m'intéresse pas. L'important, c'est en fait ton attitude à partir de maintenant. Pour moi, tu peux sortir de prison, tuer quelqu'un, pour moi, c'est complètement égal. Ici, c'est l'attitude à partir de maintenant. Et ce qui va se passer par la suite, quoi. Alors, tu mets une croix dessus,
Moi, en tout cas, tu arrives comme n'importe lequel des compagnons. Dis donc, au lieu de perdre le temps, là, de filmer un peu, tu sais, hein, tu ferais mieux d'aller me chercher la salade derrière et de faire un peu vinaigre. Hein. Tu sais, le temps, il tourne un peu. Hein. Parce que là, le cinéma, ça, c'est bien beau, hein, mais ça remplit pas l'estomac. Bon, allez, c'est bon. Amène-la, ta salade. Bon. Il n'y a pas grand-chose à faire, tu vois. Ouais. Comme c'est un peu amélioré, un peu plus que d'habitude, hein, tu prends feuille par feuille, tu vois. D'accord. Mmh. Juste trop d'oignon, tu vois. Hein. Amor de compra y venta, amor en el pasado. Ven, belé, ven, belé, ven, belé, ven, ven, belé, ven, belé. Bamboleiro, bamboleira, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. Bamboleiro, bamboleira, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. No tendrás perdón de Dios. Non. Non, tu sais, je pense pas ce que je vais faire, mais je vais rester ici quelques temps. Sont sympas les clients en général ici? Beaucoup de clients sympathiques. Plus que le méchant, oui. Non? Oh oui, bien sûr. Ils nous offrent le café. Des fois, on arrive même à prendre un petit déjeuner chez les clients. Oui. Mais après, petit déjeuner avec. Non, ils sont vraiment sympas, quoi. Seulement que des fois. Oui. Je sais pas, mais des fois, ils sont mal réveillés, je ne sais pas, mais. Ils ne veulent pas être vraiment sympas. Et puis, des fois, nous, on n'est pas vraiment non plus. Parce qu'on arrive là, on commence pour poser des trucs. C'est des choses que les clients, ils n'arrivent pas à comprendre. Vous faites engueuler des fois? Bien sûr, tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Il n'y a personne. Ah, ils n'ont pas d'air pour nous ici. Alors, c'est la commode au fond à droite, pardon, avec les deux petites tables. Merci. Bon. Ah, voilà, voilà. Et tiens, regarde, les 15, 17 balles de pourboire. Ah, c'est super, ouais, super sympa. Oui. Ils sont sympas, les gens ici. Et voilà nos petites tables. Bon, moi, je prends la commode avec toi. D'accord. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ah,
que le tube, c'est là, non? Bah ouais, c'est bon. Oui, c'est là. Angulaire, ouais. Ah oui. Une fois. Bonjour, ah. C'est Maïs. Bonjour. En tout cas, c'est vachement sympa de vous être déplacé juste pour un vieux lit. Ah mais bon, s'il est trop pourri, on prend pas. Hein. Parce que vous savez, des fois, il y a des gens qui nous prennent pour une décharge publique. On prend ce qu'on peut vendre, quoi. Mais un petit apéro, ça vous prenez? Bah, ouais, c'est sympa, avec plaisir. Mais un tout petit, alors, parce que ça, on prend pas non plus. Allez, entrez. Elle était super sympa, la fille. Hein. On a des clients comme ça tous les jours. Hein. Moi, j'aime bien le camion, on s'emmerde pas. T'as une copine, toi? Ici, oui. Un copine, oui, elle est jolie, elle est sympathique. En plus, elle est chilienne. Oui, mais ça fait rien, ça change rien, non? Oui, mais c'est bon pour moi, cette copine. Et toi, Arlindo, t'as une fille? Bien sûr. Elle est au Portugal. Puis normalement, je dois centrer le 15 de décembre, quoi. Passer Noël avec. Toi aussi, Christian, tu tournes avec le camion, toi? Oui, je tourne suivantement, tu vois. Parce que j'aime bien le camion, rouler, changer de travail comme ça, d'un endroit à un autre. J'aime pas rester trop longtemps dans ce même endroit, tu vois. Ça me plaît bien, quoi, le camion, ça m'amuse bien. Puis avec les compagnons, on rigole beaucoup, tu vois. Des fois, on arrive chez le client, et puis des fois, ils sont contents. Ils nous invitent même à boire le café, ils nous racontent des choses qu'ils vivent, tu vois. Puis nous aussi, ils nous racontent la vie des communautés. Des fois aussi, on a des anecdotes, on arrive des clients qui sont un peu, comment dire, un peu racistes, ou bien un peu comme ça, qui sont pas de bonne humeur, et puis... Des fois, à la fin, ça nous arrive aussi qu'ils sont pas très, très, très bonnes humeurs, mais à la fin, il ne vaut plus qu'on part, quoi. Tu vois comment un peu... Ouais, c'est ça, puisqu'on vit dans le camion, quoi. Mais c'est chouette, j'aime beaucoup le camion. J'aime beaucoup faire le travail qu'il fait, quoi. Bon, aujourd'hui, c'était gratiné hein, pour ma première tournée. Bon ouais, d'abord, on tombe sur un vieux con qui nous engueule parce qu'on était en retard. Il n'a même pas voulu que je rentre dans son appart. Il m'a laissé dehors, à la porte. Après... Ça, c'était mieux. On est tombé sur une fille très sympa qui nous offre l'apéro. Ça, c'était vraiment plus agréable alors, comme client. Toi, comment ça se passe dans la librairie? Ouais, ça va, mon cas. Ça va, avec beaucoup de manutention, comme d'habitude. Avec beaucoup de livres en allemand, surtout, parce qu'on a beaucoup de clients en allemand. On en a surtout un professeur qui vient une fois par... pratiquement tous les jours. Chaque fois qu'il dit, qu'il te parle, il dit toujours la même chose. Vous avez mis des livres en allemand? Pas autre chose, hein. Ça fait un an et demi que je connais, un an et demi qu'il dit le même truc. C'est quand même bizarre, hein. Ni bonjour, ni au revoir. Ni bonjour, ni au revoir. Tout ce qui l'intéresse, il est... Alors, il farfouille un bon moment dans ses bouquins et tout, pour en prendre un, des fois. Comme quoi, des fois, d'avoir fait des études, hein, c'est pas l'idéal. Ma mère me dit régulièrement, tu ne fais rien, tu perds ton temps. Tu ferais mieux de travailler au lieu de t'en aller traîner. J'ai découvert Johnny tout à fait par hasard. J'étais à l'assistance publique en 65. Et puis au début, je l'ai entendu deux ou trois fois avec Excuse-moi partenaire. Puis ça me passionnait pas des mieux. Puis à l'époque où il s'est marié, et quand j'ai entendu pour la première fois Johnny lui dire adieu, qui était le premier disque que j'ai acheté de lui, c'est comme ça que j'ai démarré. Puis après, j'ai commencé à acheter les premiers 33 tours, les premiers 45 tours que j'ai perdus. Puis après, j'ai commencé en cassette. Puis maintenant, avec le progrès actuel, j'ai les CD. J'ai toute l'intégrale maintenant. Toute sa collection complète. J'ai une quinzaine de t-shirts différents de lui. Deux chemises à l'idée, deux pantalons cuir à l'idée. Tous des trucs qui commencent à prendre la valeur. Et ben, tu vois, là, je suis habillé comme je vais certainement l'être le 24 novembre à la Ladin. Le fameux grand gala de Johnny, sa première, vêtu d'un perfecto récupéré à Emmaüs cette année. Un vieux perfecto de cuir, c'était un rocker.
Encore toi avec ta caméra? Mais dis donc, t'as rien à foutre de la journée ou quoi? Mais, allez, continue de bosser. Oh, d'accord, je bosse, et toi tu filmes. Ça fait 2 mois que t'as la communauté, voilà, monsieur filme. Oh, mais merde, t'en as rien à foutre, écoute, fais comme si j'étais pas là. Oh, mais dis, t'es poli, je te dis ça gentiment, c'est gentil aussi, non? Il y en a marre, hein, toi, sans arrêter ton truc. Ouais, mais t'inquiète pas, écoute. Ah, t'inquiète pas, écoute, si t'arrêtes pas, moi, je vais finir par me fâcher, hein. Comment ça, il y en a marre, ton histoire, allez, arrête. Alors, pour demain matin, il faudra aller avec Angèle et puis Jean-Claude. Ouais. Vous allez partir avec le camion qui vient de charger, là, de matériel, pour la chaux-de-fonds. Ah bon? Ben, tu comprends, avec les meubles que l'on a en trop, on les rassemble à la communauté là-bas, à la chaux-de-fonds, et puis on remplit un gros camion que l'on envoie à Loublin, qui est une nouvelle communauté Emmaüs. Ah bon? Et puis, par solidarité, en fait, on les aide un peu à démarrer là-bas. Ah ben d'accord, okay. Écoute, hein? Ouais. Je pars demain. Hein? D'accord. Allez, bonne soirée, hein. Ok. Ciao. Ciao. En fait, il y a un truc qui m'inquiète un petit peu. Comment ça se fait que tu filmes sans arrêt, là? C'est pour quelle raison que tu fais ça? C'est pour ma fille. J'aimerais bien qu'un jour elle voit ce que je vis, ce que je deviens. Ça fait 3 ans que je l'ai pas revue. Depuis que j'ai divorcé, puis... J'ose pas reprendre contact avec elle, alors voilà, on voit des images, je crois. Me montrer que j'ai changé, quoi, que je bosse. Voilà. Et toi, hein? Pourquoi tu restes chez Emmaüs? Ben moi, c'est un peu différent, parce que je suis français d'origine. Et comme en France, il y a le Rémi, le chômage, tout ça. Au lieu de tomber dans l'alcoolisme ou alors dans la délinquance, c'est un choix que je fais. Je suis occupé 6 jours par semaine. C'est une raison de vivre tout en faisant du social qui n'est pas toujours évident. Parce que quand on fait des ramassages, quand on vit des appartements, bon. Enfin pour le moment, jusqu'à peut-être qu'un jour je trouve autre chose. Mmh. Ouais, moi aussi il faudrait qu'un jour je trouve autre chose. Et oui, on est tous à espérer ça. Première des choses qui me plaît surtout dans la philosophie d'Emmaüs, c'est que nous, on est des pauvres personnes, en définitive. Moi, j'en fais partie, j'ai rien, et j'arrive à rendre service à d'autres personnes. Ce qui veut dire en récupérant les choses que les gens nous donnent, c'est juste, mais eux, ils nous donnent, et nous, on arrive encore à donner à côté. Ici, on fait des conteneurs, par exemple, pour la Pologne. Vu qu'ils ont ouvert une nouvelle communauté là-bas, et ils n'ont rien du tout, alors on sait très bien que ce qu'on leur donne, nous, ici, chez eux, ça part très très bien, parce qu'ils n'ont rien du tout. Il y a tellement de choses qu'on peut faire, nous, avec nos bénéfices, que je crois que ça vaut la peine d'aider, justement, dans d'autres pays où ils ont besoin de quelque chose, que ce soit pour les écoles, pour les hôpitaux, ou pour d'autres choses, quoi. Alors pour nous, la solidarité entre les compagnons, ce qui est le plus formidable, c'est qu'on a une entente superbe entre nous. On est de tout âge, hein. Ça part de 18 jusqu'à 64, 65 ans. On essaye entre nous de se respecter mutuellement. Tout ça, ça fait partie de la bonne humeur, de la communauté. Et puis ce qu'il y a aussi, alors c'est bon, à Noël, on est tous en famille, on est une grande famille, pourquoi pas le faire ensemble à Noël? Oh ben on l'a fêté. Bien fêté. Ouais.
Non, c'était super. Une ambiance, une chaleur. Moi, ouais, j'aime pas Noël. Hein. Parce que ça rappelle toujours la famille. Ça, ouais. Cafard ou comme ça. Mais... Là, je n'ai rien senti. Ça passait, mais extra. Puis tu fais quoi à Noël pour la communauté? Raconte. Alors, on va faire un petit peu comme les autres années, c'est-à-dire que le 24 au soir et le 25 à midi et soir, pour les compagnons qui restent ici, on a refusé en fin de compte de faire uniquement qu'entre nous. Parce qu'on dit les autres samedis et les dimanches, on est déjà aussi entre nous. Alors, le 24 au soir, 25, il y a des gens extérieurs qui viennent. En général, je me mets de service ce jour de Noël. Alors, il y a ma famille, j'ai des gens qui sont seuls, des dames, tout ça. Et on je dis, mais vous venez passer Noël, mais ça se passe à la communauté. C'est plutôt familial, c'est ça. À cause de moi, la journée, quand je viens travailler, je n'ai pas le contact avec les compagnons. Voyez. Alors, c'est le soir. Alors, je mange avec eux. Et puis avec ça, ça fait le contact qui reste. Pour moi, c'est plutôt une famille, c'est pas des êtres humains à part. Vous voyez, pour moi, je fais partie de ce noyau maintenant. Je m'impose presque un petit peu, hein. Mais je me sens bien. C'est un pute. Au lieu de rester à la maison sans rien faire, alors, quoique j'aurai assez de travail, mais je fais un œuf bienfaisant en même temps. Puis ça peut rendre service à Emmaüs, voilà. T'es nouveau, toi? Non, enfin, je suis juste aujourd'hui à la Chaux-de-Fonds pour amener un camion, mais ça fait 4-5 mois que je suis dans les communautés. Avant, j'étais à Étagnières, puis je suis à Fribourg, maintenant. Et toi, ça fait combien de temps que t'es compagnon? Moi, ça fait depuis 1979 que j'ai connu Emmaüs. Et puis je restais donc les 3 mois pendant l'hiver auprès d'Emmaüs, et puis 9 mois par année j'allais avec les forains, les carousels. 79? Oui. Ça fait combien ça? Ça fait 17 ans maintenant que je connais Emmaüs. Puis ça te plaît? Oui, la preuve, parce que ça fait depuis 1990 maintenant que je suis consécutivement chez Emmaüs, donc j'ai pu changer entre les 6 communautés qu'il y a en Suisse. Je me plais bien, et puis... Et puis pour toi, t'as choisi maintenant de... Moi, j'ai choisi de rester chez Emmaüs, parce que déjà, d'une part, on a le travail qu'on fait chez Emmaüs, on le reconnaît quand même mieux que ce que je travaillais auprès des forains. C'est plus... Ça me plaît mieux de ce fait parce qu'on reconnaît le travail qu'on fait, puis on nous donne la possibilité de prouver qu'on vaut quelque chose, qu'on n'est pas les derniers des derniers. Quoi. Mmh. Je pense que tu connais aussi bien un peu comme moi, Emmaüs, vu que tu as fait d'autres communautés. Si on n'est pas ici, on sera à la rue. Quoi. En tout cas, dans mon cas, je serai à la rue. Alors autant être ici et puis je me sens mieux et le travail qu'on fait, on nous respecte. Quoi. Le vrai dilemme, c'est de savoir si les communautés telles qu'elles sont maintenant répondent aux besoins d'une réinsertion des gens qui font appel à elles. Si nous avons affaire à des jeunes, forcément que ces jeunes-là ont l'ambition de réussir encore leur vie. Ils profitent ou sont victimes encore de tous les rêves qu'on leur a mis dans la tête. Et pour eux, réussir sa vie, c'est gagner de l'argent, réussir professionnellement, avoir une copine, éventuellement avoir une voiture, c'est ça, réussir sa vie pour la société d'une façon générale. Alors, ils sont victimes un peu de cette image. Alors forcément que ces personnes-là, quand elles sont jeunes, elles font des tentatives de réinsertion. Et puis, ma foi, expérience faite, on ne peut dire qu'une chose, c'est que la plupart de ces tentatives sont vouées à l'échec. Parce que ces personnes-là ne sont pas équipées pour faire face à toutes les difficultés de la société. Dans le cadre des communautés, permettre à chacun de retrouver une certaine dignité, c'est être aussi respecté dans ses capacités.
Je veux dire par là que l'essentiel, c'est pas la valeur de la tâche, c'est la façon dont elle est faite. Autrement dit, l'essentiel de la réinsertion pour le responsable, concernant les communautaires, c'est que ces personnes-là se réinsèrent à elles-mêmes. Qu'elles se récupèrent, qu'elles se rassemblent, qu'elles deviennent quelqu'un. Alors, ça sera là. Là ouais, bien sûr. Oui, petite. Petite. Ah, c'est la meilleure, ça. Mmh. Bonne journée. Bien sûr, après le boulot. En fait, t'es arrivé comment ici ? C'est une longue histoire. Comment je suis arrivé ici ? J'ai commencé à Emmaüs, quoi. Et quand j'ai commencé à Emmaüs, c'était un camp de jeunes. Enfin, c'est-à-dire, Emmaüs est venu faire un camp de jeunes dans la région où j'étais, quoi. Et puis, ils sont venus dans ma ville. C'est à Béziers. Et puis, il y avait des affiches qui étaient placardées dans la ville, qui disaient, comme slogan, « Bâtir un monde meilleur ». Et puis c'est ça qui m'a un peu attiré là. Puis je suis allé là faire mes vacances, quoi. Mes vacances de bureaucrate, je les ai passées à faire le déménagement, quoi. Mm-hmm. Et puis après, de fil en aiguille, ben, on est arrivé en Suisse et à Fribourg. Ouais, bâtir un monde meilleur. Mais je sais pas, tu trouves qu'on a une place dans la société ? Qu'on sert à quelque chose ? Ben oui, on a une place dans la société. Étant donné que les choses que les gens nous donnent, elle serait pour la plupart partie à la poubelle. De toute façon, on a bien un rôle pour de les remettre dans le circuit. Donc on a de toute façon une place. Et puis la place qu'on a, c'est aussi un peu celle qu'on se fait. Mmh. Ouais, je sais pas. Moi, des fois, j'ai l'impression que les gens nous traitent comme si, je sais pas, comme si on était rien. Tu crois que... Tu vois, comme si on était vraiment des chiffonniers, quoi. Mais on est des chiffonniers. Et puis bon, les chiffonniers, c'est vrai que ils sont toujours considérés comme des gens qui sont dans le bas de l'échelle sociale. Donc par la force des choses, t'es aussi, puisque tu es avec eux, tu es considéré comme eux. Mais bon, c'est pas très important comment les gens te voient. C'est aussi toi, comment tu te vois toi, qui est important. C'est dans ce sens-là qu'il faut essayer de voir avec face aux autres. Comment toi tu te vois face à eux, quoi. C'est plus ça qui est important que la façon dont ils réagissent, parce que des fois ils réagissent et puis ils pensent autre chose. Bon, voilà la chambre. Bon, c'est pas très grand, hein, mais vous avez l'habitude. On se connaît, ça va, on dort ensemble. Vous avez fait bon voyage ? On a fait bon voyage. Ça, c'est bien, vous avez déjà déjeuné, oui, mangé, oui. Tout fait. C'est bon, on a okay. Fait ça sur la route. Et donc, Mickey, avec Pierre. Bien, de temps en temps, je n'ai. Oui, 2-3 fois par année. Il y a des réunions de Maüs ou aux Nations Unies, etc. On est occupé. T'as déjà parlé avec lui? Bien sûr, j'ai déjà parlé avec lui. Je vois, il vient nous serrer la poigne à tous. Hein. Allô, c'est Yannick. Oui.
Oui, salut, c'est Alain. Alain, oui. Oui, tu te souviens de moi? Oui, tout à fait. C'est toi qui m'as envoyé à Étanière. À Étanière, oui. Ouais. Oui, je me souviens. Ça va? Oui, ça va. Ouais. Je voulais te demander, j'avais envie de rencontrer l'abbé Pierre. Oui. Je crois que c'est possible de lui parler le voir. Il faudrait s'assurer qu'il soit chez lui, quoi. Oui. Ouais. Et puis, c'est où? Il habite en Normandie, près de Rouen. Ouais. Ouais. Ah d'accord. Bah écoute, parce je trouverai. Tu irais quand? Je crois que je vais partir peut-être demain, je crois. Ouais. Tu voudrais que je l'avertisse, que je le prévienne? Ouais, ce serait sympa. Ce que ont provoqué l'abbé Pierre et les communautés Emmaüs, et pas seulement eux, mais certainement comme en tant que pionniers, c'est que ils ont mis en évidence un problème fondamental de notre société, c'est le gaspillage. Ce qui a été gaspillé peut être utilisé, au même titre d'ailleurs que quelqu'un qui est classé comme inutile à la société devient, comme le dit l'abbé Pierre, provoquant parce que justement ces pauvres types ont quelque chose que j'envie, et ce quelque chose est différent pour chacun, mais quelque chose qui est enviable. Mais au fait, qu'est-ce que tu voulais dire par bâtir un monde meilleur? Ouais, bâtir un monde meilleur, c'est pas moi qui le disais, c'était un slogan et puis une affiche, c'est seulement ce qui m'a attiré, quoi. C'est bon, bâtir, c'était faire quelque chose de positif au lieu de faire des discussions et puis des théories et puis autour d'un verre dans un bistrot et puis après on se quitte, on se dit au revoir et puis on oublie la misère du monde. Mais toi, t'as une famille? Ah ouais, j'ai un frère et une sœur que je vois assez régulièrement. Et t'as jamais... Tu t'es jamais marié? Non, jamais. Tu sais, je crois que je vais partir. Ouais. Bonne nuit. Bonne nuit. Je m'appelle Alain, je suis compagnon depuis une année en Suisse. Et voilà. Tu m'avais dit, quand tu as demandé à venir qu'on se voit, que tu étais à Étanière. Voilà, c'est ça. Tu as été seul, seulement dans cette non, je me suis... Tu en as connu d'autres. Oui, parce qu'il y en a plusieurs. Oui. Il y en a à Sion, à Fribourg. Allez, assois-toi. Tu arrives avec une mitraille. Ouais. Alors je me suis permis, mais c'est juste pour les copains, c'est juste pour regarder des images de vous comme ça. Allez. Puis bon, je t'allais à vous voir parce que j'avais quelques questions à vous poser. J'étais magasinier, j'ai perdu mon travail. J'ai eu le chômage, après je l'ai perdu. Ma femme est partie, j'ai une petite fille, ça fait 2 ans que je ne l'ai pas vue. J'ose pas la voir. Elle s'appelle Léa et... Elle a 5 ans maintenant. Et est-ce que, quand je vous demande si les parents, est-ce que les enfants doivent... Si je dis à ma petite, par exemple, que bon, bah, moi je suis chiffonnier, qu'est-ce qu'elle va penser? Ça veut dire être chiffonnier, c'est rien du tout, quoi. Il faut
tenir compte de toutes les circonstances qui, dans lesquelles elle vit, et à partir du moment où elle est en âge de pouvoir comprendre, et que tu lui écrives des petites lettres de 4 sous, ouais, bon, auxquelles elle te répondra des petits mots avec des tas de fautes, mais ça sera un début de contact. Et puis, après, il faudra t'employer, si tu te stabilises dans une communauté d'Emmaüs, t'employer à faire comprendre à l'entourage de ton enfant, on peut dire, la noblesse qu'il y a à être dans la vie de compagnon d'Emmaüs. On n'est pas des vagabonds, on n'est pas des mendiants, on n'est pas à l'asile. Le pain qu'on mange, on l'a gagné, et on travaille pour donner. Rien que ça, c'est déjà merveilleux que des hommes adultes, avec tous les problèmes qu'ils peuvent avoir dans leur vie, consentent à travailler plus que ce qui leur suffirait, ouais, pour le donner à d'autres. Si tu lui dis à ta petite fille, ma vie c'est ça, je travaille pour ne pas devoir à personne mon pain, et je travaille plus qu'il faut pour que les petits-enfants à travers le monde, qui souffrent, comme peut-être plus que toi, parce que maintenant tu es entouré, n'est-ce pas? Mais je travaille pour venir en aide à tous les petits-enfants. Ouais. Eh bien, il y aura de la fierté. Ouais. Tu comprends? Oui. Hop, hop, hop. Celle-là, elle est bien. Ah, non, elle n'est pas terrible non plus, celle-là. C'est à toi, Tony. Ah, c'est à... Tu es avant, toi, hein? C'est le fax. Oui. On te la laisse, ouais. Oui, c'est la même. Ah, c'est pas sûr, hein? Oui, c'est différent. On te la laisse. 4-5 cm, en tout cas. Ouais, on te la laisse. Et puis ton voyage en Normandie, ça s'est bien passé? Ah, ouais. Ouais, plutôt bien. Ouais. Tu as fait 4 semaines, hein? T'as fait long, t'es resté tout le temps? Non. J'ai passé 3 jours là-bas, mais... Bon, après, je suis resté 3 semaines à Genève, chez Maria, chez ma copine. Hein? Et puis ton moral, tu l'as récupéré où? Chez l'abbé Pierre ou bien chez ta copine? Un peu partout, hein. Pourquoi t'es... Docteur? Non, mais tu vois, je m'inquiète, quoi. Enfin, je m'inquiète. Savoir ce qui était le plus important pour toi. De quoi t'auras besoin? D'un voyage chez ta copine ou chez l'abbé Pierre la prochaine fois? Je sais pas. Si c'est toi qui me le paye, hein, je vais où tu veux. Hein. Dans ma chambre, c'est bien. J'espère que tu vas bien. Ce coup-ci, je t'envoie pas une cassette de Babar ou de Dumbo, hein. C'est des images sur le travail que je fais maintenant, parce que j'ai trouvé du travail. Alors, celui-là, je te le mettrai dans le paquet avec la cassette, hein. Et puis, je te laisse regarder les images et puis je te retrouve à la fin. Hein? À tout de suite. Je te fais une grosse bise.